culture. Elle n'a pas besoin de téléphone intelligent, Linda Tamdalali. Voilà, quelques feuilles, des petites notes, un petit stylo. Et ça lui suffit, ça fait son bonheur. Linda, bonjour. Bonjour aussi. Ça va ? Besoin, certainement, hein, avec cette rapidité dans laquelle on vit. Bonjour. Il faut être de 100 ans. Oui, tout à fait, il faut être de 100 ans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et entre-temps, voilà, on reste dans nos rendez-vous culturels et notamment l'hommage qui est rendu. Il y a le Salon National des Arts Plastiques qui se déroule actuellement au niveau de la Villa Abdeltef. Le fameux Salon National d'Arts Plastiques Abdelhalim Hamch qui va s'étaler jusqu'au 31 de ce mois. Et c'est un hommage à Rizq El Arbi, donc l'artiste peintre plasticien qui était en même temps scénographe, décorateur. Il s'occupait aussi, il était passionné aussi par tout ce qui est en fait scénographie, costume, etc. Donc l'exposition y est encore jusqu'au 31 de ce mois. Vous avez la Fondation Asla qui organise l'exposition de Emel Dekar, une exposition qui ouvrira ses portes, une exposition de photos hein, qui ouvrira ses portes ce samedi 3 février. Vous avez déjà été à Janet, vous deux? Non, j'ai pas eu cette chance. Pas encore. Voilà. Ouais, on va y aller. Donc c'est un endroit extraordinaire, faut absolument y aller. C'est un voyage de l'âme en fait, plus qu'un voyage de touriste. C'est vraiment un voyage. On se retrouve, on se perd dans ces beaux paysages. Tout à fait. Au moins je sais dire bonjour, ma Difou. C'est déjà un bon début. Oui, c'est ça. Pour pas se perdre. Donc il y a une exposition de photographie qui s'installera ce samedi au niveau de la galerie de la Fondation Asla. Et puis Les Algériennes du Château d'Amboise, c'est un livre de Emel Chawati, Jazairiyat Fiqas Amboise, donc c'est un livre en arabe et en français. Elle signera son livre ce samedi 3 février à la librairie du Tiers-Monde. C'est une très belle histoire de toutes ces femmes qui ont accompagné l'émir Abdelkader et qui sont aussi enterrées dans le jardin d'Amboise. Et toute l'histoire de ces femmes, de leur vie, ce qu'elles étaient. Il y avait aussi les princesses, mais il y avait aussi celles qui les accompagnaient. Il y avait un nombre important de femmes qui accompagnaient l'émir Abdelkader. Et on revient dans ce livre. Il y a la mère de l'émir aussi, elle-même, qui a joué un rôle important dans sa vie. Et voilà, donc c'est un livre passionnant à découvrir. Nous recevrons Emel Chawati tout à l'heure dans le 100% culturel.